À l'occasion de la réouverture New Look, le musée a mis sur pied une nouvelle méthode d'approche de la culture. C'est la méthode visicassette, un mot vient d'être inventé, qui permettra peut-être une meilleure compréhension de l'art pictural. Il est vrai que Courbet, et à plus forte raison Rubens, ce n'est pas toujours évident. Il ne s'agit pas du tout d'expliquer un tableau, mais d'interpeller le visiteur en lui disant « voilà, il y a ceci à voir, il y a ceci, voici les raisons pour lesquelles la peinture est comme ceci ou comme cela ». En somme, si vous voulez, un système d'éducation populaire qui, à ma connaissance, n'a encore jamais été mis sur pied. Alors, est-ce qu'il va falloir venir au musée avec son magnétophone ? Eh bien, le musée disposera d'un certain nombre d'instruments, soit individuels, soit collectifs, s'il y a par exemple un groupe qui visite, et, ma foi, devant un tableau, le ou les visiteurs pourront s'adonner à ce système de lecture. Alors, par exemple, ici, nous sommes devant un tableau de Courbet. Est-ce que vous pouvez nous montrer la cassette, nous faire écouter la cassette ? Volontiers. En un temps où l'on emploie souvent teintes sombres et maussades, Courbet choisit une gamme claire qui va du blanc au gris, en passant par le jaune pâle et plusieurs nuances d'ocre, avec deux éclats pour la fouetter. Vous espérez retenir un peu plus longtemps les clients avec cela ? Oui, je pense. Scrutez ces couleurs de près. Épaisses, grasses, savoureuses. Avis aux amateurs. C'est un enchantement, car elle donne aux êtres et aux choses une formidable santé.